Dans cette démonstration, nous allons parler du package qui concerne la surveillance basée sur le cas. Dans ce package, nous avons deux programmes trackers et des tableaux de bord. Notre présentation va être divisée en trois parties. La première partie va parler du tracker de surveillance basé sur les cas. La deuxième partie sur le tracker d'enregistrement et de suivi des cas contacts. Et la troisième partie sera dédiée à l'analyse via le tableau de bord. Pour cette première partie, nous allons parler du tracker de surveillance basé sur les cas. Donc ici, nous avons la liste des patients COVID enregistrés que nous avons eu à partir de ce bouton. À partir du bouton Rechercher, nous avons la possibilité de rechercher tous les cas enregistrés. Et à partir du bouton Enregistrer, nous pouvons enregistrer tous les nouveaux cas dans le système. Enregistrons pour commencer un cas. Donc, je mets la date. Nous pouvons renseigner les coordonnées géographiques. Le code identifiant généré par le DHS2, vous pouvez rajouter le numéro du dossier du patient, le nom du patient, la date de naissance du patient, l'âge généré automatiquement, le sexe du patient, le pays de provenance du patient. Ainsi de suite. Pour finir, nous en cliquons sur Enregistrer et continuer. Voici un aperçu de l'interface qui va nous permettre de renseigner les autres informations du patient. Sur l'interface, nous avons le box qui nous permet d'avoir certaines informations sur le patient, notamment l'âge. Et ici, nous avons les informations lié au profil du patient. Notre programme tracker contient quatre stades. Le premier stade parle de l'examen clinique, le deuxième demande de laboratoire, troisième stade résultat de laboratoire et le quatrième résultat de santé qui est notamment l'issue du patient. Premier stade. Nous remarquons que la date de consultation est la même que la date d'enregistrement du patient dans le programme. Pour ce patient, notre patient a des symptômes, donc nous mettons oui et nous renseignons les autres informations, notamment la date de début des symptômes. Ça a commencé peut-être le 27 avril et le patient a été enregistré dans le système le 1er mai. Est-ce que notre patient à la fièvre, température, la toux, oui. Difficulté respiratoire, oui. Les autres informations liées à la pathologie. Donc, oui. La diarrhée, notre patient fait la diarrhée. Maladie rénale, ainsi de suite. Est-ce que notre patient a été hospitalisé? Non. Est-ce que ce patient est un agent de santé? Non, pas du tout. A-t-il visité une formation sanitaire dans les 14 jours précédents? Non. A-t-il eu contact avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant le début des symptômes? Non. Notre patient a-t-il voyagé dans les 14 jours précédant le début des symptômes? Non, mettons non. Pays d'exposition le plus probable, puisque c'est un Burkinabé. Donc, nous mettons Burkina et nous avons une information qui nous a été rappelée, notamment la date d'apparition des symptômes. Pour finir, nous cliquons sur Terminer. Nous passons à l'étape 2. L'étape 2 demande de laboratoire. Donc, pour ce faire, nous cliquons sur le bouton Plus. Nous renseignons la date, le premier, et nous renseignons les autres informations, notamment la
raison du test, le type d'échantillon, la date de prélèvement, la date d'envoi, les détails. Et pour finir, nous cliquons sur Terminer. Nous passons à l'étape 3. L'étape 3 nous permet de pouvoir renseigner le résultat de laboratoire. Donc, pour ce faire, nous cliquons sur Plus. Nous renseignons la date. Nous cliquons sur Enregistrer. Et nous avons les informations, notamment la date de résultat, qui est le 2, le type d'échantillon, conformément à la demande, et le résultat du laboratoire qui est négatif. Mais en fonction de l'état du patient, vous pouvez faire une autre demande de laboratoire en retournant dans le stade 2 et en cliquant sur le bouton plus. Donc le 3, une autre demande de laboratoire a été effectuée et nous devons renseigner les mêmes informations qu'auparavant. Le type d'échantillon peut changer conformément à l'état du patient et le type de test. Nous terminons. Donc, nous pouvons faire autant de demandes de laboratoire qu'il ne faut. Donc, ici, nous avons deux, la première et la deuxième. Donc, ici, nous pouvons renseigner les informations du second test effectué. Donc, nous cliquons sur le plus. Nous renseignons la date. Le type d'échantillon conformément à la demande. Et cette fois-ci, notre patient est positif. Pour finir, je clique sur Terminer. Quelques jours après, nous avons la possibilité de renseigner le résultat de santé de notre patient. Donc, le 8. Nous avons ces informations. Notre patient a retrouvé une bonne santé. Nous pouvons renseigner l'information. Si jamais notre patient décédait, automatiquement, nous avons la date de décès. Et si la personne retrouvait une bonne santé, nous prenons bonne santé et nous renseignons la date de sortie de l'hôpital. Et la dernière information liée au nombre de cas contact. Pour finir, nous terminons. Voici la première partie de cette démo. La deuxième partie de cette présentation va concerner le programme d'enregistrement et de suivi des cas contacts. Nous pouvons sélectionner notre programme ici et l'enregistrer à partir de ce bouton. Donc, nous renseignons la date d'enrôlement du patient dans le programme. Le numéro du dossier, le nom du patient, la date de naissance du patient, l'âge est généré automatiquement. Nous renseignons les autres informations et nous cliquons sur Enregistrer. Dans ce programme, nous avons deux stades. Le premier qui concerne le suivi, et notre deuxième stade qui concerne les symptômes. Pour ce patient, nous renseignons les 16 informations. Le lien avec le cas, c'est son frère. Est-ce qu'il a été exposé? Oui. La date d'exposition. Et nous pouvons donner plus d'informations. Pour finir, nous cliquons sur Terminer. À la partie symptômes, nous pouvons cliquer encore sur plus et renseigner les informations liées aux symptômes.
Notre patient ne présente pas de symptômes au premier jour. Donc, nous prenons non et puis nous cliquons sur enregistrer. 3 jours après, notre patient présentait des symptômes. Donc, nous revenons dans le programme et nous cliquons une fois de plus sur ce bouton, puisque la partie des symptômes est répétitive. Nous cliquons 3 jours après sur ce bouton. Nous renseignons la date. Et cette fois-ci, au niveau des symptômes, nous disons oui. La date de début des symptômes, ça a commencé peut-être le 5. Quels sont ces symptômes? C'est la fièvre, toux, difficulté respiratoire et ainsi de suite. Pour finir, nous cliquons sur terminer. Ce patient a été en contact avec un patient index. Pour pouvoir établir cette relation en cas contact et puis cas index, nous allons utiliser la relation. Nous cliquons sur Ajouter. Nous sélectionnons le programme de surveillance basé sur les cas dans lequel se trouve notre cas index. Notre cas index s'appelle Coco et puis nous cherchons dans la base. Donc ici, nous avons la colonne nom et puis la colonne prénom. Donc le patient que nous cherchons s'appelle Toto Coco. Donc c'était notre cas index. Donc nous cliquons sur ce patient. Nous avons ces informations pour s'assurer que c'est le vrai patient cas index. Et pour finir, nous cliquons sur enregistrer pour établir le lien entre ce cas index et puis ce cas contact. Dans cette base de données, moi j'ai un rôle de super utilisateur, donc je peux voir les informations liées au cas index. Je clique là-dessus. Je clique sur le programme de surveillance basé sur les cas et j'ai des informations du patient selon le rôle que vous avez dans le système. Ici, nous avons la relation qui est aussi établie entre ce patient et son cas contact. Mais il s'avère que Kiki n'est pas le seul cas contact de ce cas index. Donc, pour pouvoir ajouter le second cas contact, nous cliquons sur ce bouton Ajouter. Nous prenons la relation, nous prenons le programme qui héberge tous les cas contacts. Nous cherchons notre cas contact qui s'appelle Rachel et nous le sélectionnons. Nous vérifions toujours ces informations avant d'établir le lien en cliquant sur Enregistrer. Donc voici le deuxième cas contact de notre cas index. Mais si vous avez bien suivi, notre patient cas contact Kiki avait des symptômes. Donc, ce patient peut être enrôlé dans le programme de surveillance basé sur les cas, vu ses symptômes. Donc, pour pouvoir le faire, nous allons juste sélectionner le programme basé sur les cas ici. Et cliquer sur Nouveau. Ce qui veut dire les informations saisies pour notre patient dans le programme d'enregistrement de cas contact sont automatiquement envoyés ici pour être enregistrés dans le programme de surveillance basé sur les cas. Donc pour finir, nous l'enregistrons. Donc automatiquement, notre patient a été enrôlé dans ce nouveau programme. Nous allons passer à l'étape 3 de notre démonstration. Pour cette troisième partie, nous allons nous rendre sur le tableau de bord du DHS2. Sur ce dashboard, nous voyons pas mal de tableaux de bord effectués, mais dans le cadre de ce package, nous allons essentiellement voir le tableau de bord sur la surveillance tracker, le tableau de bord sur la cartographie des cas. Sur la cartographie des cas,
Nous voyons une carte qui parle des cas confirmés au laboratoire, une carte qui parle des cas suspects pour cette année et une troisième carte qui parle des cas suspects symptomatiques pour cette année. Sur cette carte, nous voyons la légende qui a été appliquée, qui nous parle essentiellement du sexe, le bleu qui représente masculin, l'orange qui représente féminin et le noir non applicable. Nous voyons aussi le filtre qui a été utilisé pour pouvoir représenter tous les cas symptomatiques. Ceci n'est qu'une petite partie de tout ce que vous pouvez afficher comme information dans le cadre du COVID-19 lié à la surveillance des cas et à la gestion et suivi des cas contacts. Sur le deuxième tableau de bord, nous avons toutes les informations liées aux cas suspects, liées aux cas confirmés en laboratoire, le total des décès parmi les cas suspects et le total de guéris parmi les cas confirmés. Sur le graphique suivant, nous avons le total de cas confirmés et probables pour les 14 derniers jours, tout en prenant en compte la date de début des symptômes. Lors de la saisie des informations, nous avons vu qu'il y a plusieurs types de dates. La date d'enrôlement, qui est la date à laquelle les informations de la personne ont été enregistrées dans le système, et la date d'apparition des symptômes, qui peut être une date antérieure à la date d'enrôlement de la personne dans le système. Donc, pour ce cas spécifique, nous avons utilisé la date de début des symptômes pour pouvoir représenter les informations. Le graphique suivant nous parle des cas confirmés par début des symptômes. Ce graphique nous parle des cas suspects pour les 14 derniers jours. Ici, on fait le parallèle entre les cas importés et les cas transmis localement. Et le dernier nous parle des décès de COVID enregistrés. Vous pouvez également faire le line listing des cas symptomatiques dont le résultat est connu et l'ajouter au tableau de bord. Si vous avez des difficultés à le faire, n'hésitez pas à écrire à la communauté ou à contacter un RIPS.